Allô. Chers compatriotes, depuis 48 heures, j'étais dans la Côte d'Ivoire profonde et plus précisément dans mon village natal. Et c'est de là que les jeunes frères d'armes m'ont fait appel pour être d'abord leur porte-parole. Depuis hier, ils sont dans les rues, comme un peu en 1990. Ils ont présenté un certain nombre de doléances, parmi lesquelles il y a les points qui concernent la restauration de leur dignité, c'est-à-dire les équipements militaires, et les problèmes purement militaires. Mais il y a aussi des problèmes d'ordre national. Ce qui concerne certains détails politiques. Ils ont parlé de la libération immédiate à condition des détenus politiques actuellement à la Moka. Tous ces problèmes, au nombre de 10 sensiblement, ont été présentés au président de la République ce matin, qui s'était entouré par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et un certain nombre de ses collaborateurs. Il n'y a pas eu d'entente. Les jeunes gens prétendent que des promesses leur avaient été faites et ils refusent de se nourrir de promesses. Voilà pourquoi dès cet instant, ils sont venus me demander de vous dire, chers compatriotes, qu'à partir de cet instant, le président Ali Konadébié n'est plus le président de la République de Corée. Les jeunes mutins se proposent de vous présenter un comité de salut public de la République. Ce comité de salut de la République, sa composition vous sera présentée dans les heures qui vont suivre. Dès cet instant, un certain nombre de points m'ont été indiqués pour être apportés à votre connaissance. Dans les mesures immédiates, considérant l'Assemblée nationale dissoute, le gouvernement est dissout, certaines institutions de la République, comme le Conseil constitutionnel,
la Cour suprême et le consulaire dissous. Le reste fera l'objet des points qui vous seront au fur et à mesure développés. Voilà, chers compatriotes, le message que je vais changer de vous transmettre. Je voudrais, en leur nom, au nom de tous ceux qui sont consciencieux, qui ont toujours voulu le bonheur des Ivoiriens et le salut de la République, vous demander de garder votre calme. Il s'agit tout simplement pour les jeunes militaires de garantir la paix dans ce pays. S'ils approchaient le président Bélier ce matin, c'est parce qu'effectivement, ils veulent éviter des fusions de sang. Que ceux qui se proposent de contre-attaquer restent tranquilles. Dans ce pays, le dialogue permet toujours de trouver des heureuses solutions à tous les problèmes. Nous essaierons d'approcher encore les uns et les autres pour que la compréhension soit effective et pour que les fusions de sang soient écartées de ce pays. Je vous remercie. Si vous permettez quelques questions, général. Est-ce que vous avez pris des mesures de sécurité, notamment du couvre-feu? Effectivement, le couvre-feu. Je n'ai pas encore discuté avec les jeunes gens certaines mesures pratiques. Quelquefois, j'arrive à l'instant du village, je suis au courant de quoi que ce soit. Je pense que nous allons essayer de les écouter et j'essaierai de vous donner les mesures pratiques d'ici le soir. Est-ce que vous assumez vous-même les fonctions de chef d'État? Écoutez. Les jeunes gens qui me font confiance, je n'hésiterai pas. Pour le moment, il s'agit tout simplement de transmettre à mes frères et à mes sœurs, à mes frères et à mes mères de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Bélier a été arrêté? Le président Bélier n'a pas été arrêté. Nous voulons éviter le maximum de dérapage. On se profile à l'heure actuelle. Il est chez lui à la maison. Il est un résident. Vous surveillez ce président. Et vous assurez sa sécurité. Je crois que les jeunes gens, effectivement, ils ont garanti toute sa sécurité. Moi-même, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Les frontières terrestres et aériennes sont ça fera partie des mesures qui vous seront annoncées dans quelques jours. Excusez-moi, une question en général, quel est votre âge? Je suis né en 1945. Quel endroit vous pouvez joindre dans les oxygènes? Mais mon téléphone de domicile est le 21-35-36. 21-36. Et là, c'est même, on peut vous joindre aussi. Pardon? Et c'est un peu votre quartier général? Oui. On peut vous appeler? Vous m'appelez. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement? Bravo! Vraiment, je suis très très content. Bravo! Parce que le pays, ça n'allait pas pour nous actuellement. On ne savait pas comment faire. Bravo! Vraiment, s'il y a quelqu'un pour nous bien diriger actuellement, je serais trop content. Actuellement, ce que je vois, c'est trop bien. C'est très bien passé. Et vous
Ah, moi, je suis heureux pour le problème qui s'est passé. Nous sommes heureux. Il va voir la Côte d'Ivoire évoluer. Nous sommes heureux. Même chose. Nous sommes heureux. Bien même. Voilà. Oh, les militaires. C'est tout ce qu'on ne parle pas. Merci beaucoup. Merci. Merci aux militaires. Merci à Gay Robert. Vraiment, nous avons été libérés. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Ils ont tellement de volets. Qui vous a fatigué? Mais essayez. On ne veut pas d'aller même. Allez, bélier. Allez, la connerie. Ils n'ont aller comme ça. On ne veut pas le voir. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez des militaires? Vraiment, on veut la liberté aujourd'hui. On veut la liberté en Côte d'Ivoire. Je rappelle le pays. Félicitations au comité du salut. C'est ce que nous attendions depuis longtemps. Le peuple souffre et c'est une délivrance totale. On vous remercie. Vraiment, le comité de salut, nous avons remercié. Tout le monde est content. C'est ce qu'on attendait. Et je pense que c'est l'occasion pour tout un chacun de comprendre que le peuple est plus important que toute chose. Il faut arrêter quand même de faire souffrir toutes sortes de populations. Maintenant, nous ne pouvons que souhaiter quand même que tout aille pour le mieux pour le peuple. Voilà. Donc, en fait, je pense que ce que les... Non, mais attendez, vous avez vu que tout s'est bien passé. Il n'y a même pas eu une effusion de sang. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et en fait, c'est vraiment la seule fois où, en Afrique, il y a eu une telle action où il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et je dis merci réellement à la grandeur d'esprit de notre armée. C'est la résistance. C'est la résistance du peuple. C'est la résistance. Et c'est là que vous devez comprendre que tout le monde, le mandaté est parfaitement On veut un changement. Thank you.
Oui, nous sommes vraiment libérés. C'est la vraie libération à partir d'aujourd'hui. Et le peuple ivoirien est fier. C'est pour ça que nous sommes sortis dans la rue. Merci aux soldats. Merci au général Guéhi. Merci au général Guéhi. Nous comptons sur lui. On est très content de l'armée. C'est très bien. On veut Guéhi revenir. C'est très bien. Tout le monde a compris ça en bas. Oui, aujourd'hui. Vous ne voulez plus de qui? Pardon? Vous ne voulez plus de qui? Complètement. Je m'appelle Alain Dagarin, je remercie les militaires. Vraiment, ils ont libéré, ils ont coupé la chaîne, ils ont libéré la peuple. Merci, vive la Côte d'Ivoire, vive Robert Guéhi, vive Robert Guéhi, vive la Côte d'Ivoire. Je remercie M. Guéhi Robert, pour nous libérer. Ouais, moi, je m'appelle Djabi Mamadou, je remercie les forces de l'ordre, l'armée ivoirienne, vous-même la presse, d'avoir aidé la Côte d'Ivoire à être libre de tout engagement et afin qu'on puisse avoir les élections libres, transparentes. Bonne chance à tous les candidats et merci à l'armée et à son chef. La situation, je suis d'accord parce que là, c'est le moment que Dieu a choisi. Dieu a bien choisi l'an 2003 de changer. Et nous sommes là pour changer le pays maintenant. Ce que je demande, c'est que c'est la réalité qui est arrivée, que Jésus avait demandé que nous soyons là. Dans le nom du Seigneur Jésus, amen. Madame, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement? Ce qui se passe actuellement, je suis très contente d'avoir choisi M. Guéhi. Vraiment, c'est un général qui est vraiment très content. Je suis content. Continuez. Si ça réussit, je suis contente. Bédi est parti, vous êtes contente? Je suis très contente. Bédi est parti, je suis très contente. Pourquoi? Parce que mon papa souffre au village. Cette année, ils ont fait 1 kilo de café à 150. Je ne suis pas vraiment contente. Il a des foutaises. C'est du vol. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir choisi. On est fatigué. On est content depuis le matin à cause de ça. On ne mange pas. Nous sommes en joie. C'est un violeur. Nous sommes en joie depuis le matin. On n'a pas encore mangé à cause de la joie. On est fatigué. Nous sommes tous contents. Nous sommes en joie. On a eu la force. Vraiment, c'est maintenant, on voit que cette année sera une année de paix, une année de joie. Oui, nous, on est vraiment fatigués, on ne veut plus de lui, et puis bon, on veut tout. J'ai tiré mon chapeau aux militaires ivoiriens. Partout en Afrique, on a marqué les conflits qui se passent là. Chose, les militaires tirent sur la population civile, mais ici tout s'est passé pacifiquement. Nous disons beaucoup merci. Merci aux militaires. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci. Je voudrais d'abord vous saluer d'être venu parmi vos soldats pour essayer d'avoir les versions exactes de la situation depuis quelques 48 heures. Beaucoup d'entre vous nous ont approchés pour nous poser des questions. Nous avons pu répondre à certaines, mais nous avons jugé utile de vous réunir sans que cela soit une conférence de presse pour essayer de vous dire exactement qui s'en est sur le terrain. Auparavant, je voudrais m'adresser à mes chers compatriotes ivoiriens d'origine comme ivoiriens d'adoption pour leur dire que depuis quelques 48 heures, certaines informations nous parviennent. Selon celle-ci, des
les éléments non contrôlés se livrent à des actes de vandalisme en ville. Évidemment, les mutins endossent une telle responsabilité. Mais comme dans la réalité des choses, ils n'en sont pas les auteurs, ils nous ont demandé, ils ont organisé des patrouilles depuis hier. Nous avons pu mettre la main sur quelques-uns de ces éléments pilleurs. Vous les verrez tout à l'heure. Ils sont là avec tous les objets qu'ils ont volés. Les militaires, bien sûr, qui sont parmi eux, les corps habillés, on a pu arrêter dans ce groupe. Ils devinent déjà leur sort. Parce que il m'a été demandé d'être leur porte-parole. Il m'a été demandé d'être leur guide pour que cette action nationale puisse faire plaisir à nos compatriotes que vous êtes. Il n'était pas question un instant d'aller piller les boutiques. Que chacun sache que nous sommes à la disposition du peuple ivoirien. Sachez que votre sécurité sera garantie. Nous ferons au mieux pour que les quelques brebis galeuses soient sévèrement sanctionnées. L'autre jour, nous avions déjà parlé d'un comité national de salut public. Ce comité, nous allons tout de suite vous le présenter. Je suis le colonel-major Mathias Doué. Je vous donne la composition du comité national de salut public. Président, général de brigade, Robert Gay. Membre, intendant général Lansana Palanfo. Général de brigade aérienne Abdoulaye Koulibaly. Colonel-major Mathias Doué. Capitaine de corvette Dikalou Saint-Cyr. Chef de bataillon Moissy Grenard, lieutenant de vaisseau Sama Henri César, maître principal Zoin Honoré, sergent-chef Boka Yapi Laurent. Comme vous pouvez le constater, le Comité national de salut public couvre toutes les forces et sa composition incorpore en son sein des officiers généraux, des officiers supérieurs, des officiers subalternes et des sous-officiers des forces terrestres, des forces aériennes et de la marine nationale. Merci. Ce comité national de salut public que nous venons de vous présenter aura pour mission d'abord d'assurer la sécurité des biens et des personnes par un contrôle de la situation. Il s'agira pour lui de restaurer l'autorité de l'État, de créer les conditions nécessaires à l'instauration d'une vraie démocratie en vue de l'organisation d'élections justes et transparentes dans ce pays. Dans les jours qui vont suivre, nous ferons de larges consultations pour vous présenter un gouvernement. En attendant la formation de ce gouvernement,
Les préfets sont chargés de la pérennité de l'État ainsi que l'ordre et la sécurité. Voilà l'essentiel de ce que nous tenions à vous dire. Je voudrais en profiter, puisque nous avons l'honneur et l'avantage de vous voir tous réunis, ce qui n'est pas facile pour les hommes d'action que vous êtes, parce que vous êtes toujours sur le terrain à la recherche des informations. Il y a eu quelques malentendus avec nos camarades du RFI. Le président Bédier, pendant que il nous demandait d'un côté de l'aider à partir du pays, pendant que nous l'aidions à partir discrètement, il était en train de faire des tenir des conférences tapageuses. Il a même eu à inviter la population civile à la désobéissance civile. Il ne peut pas avoir dans ce pays de Foubaïn une désobéissance civile. Nous avions rapidement appelé toutes les composantes à l'ordre. Ce matin, nos frères d'armes, gendarmes, ont essayé de passer le message dans toutes les unités de la gendarmerie pour marquer leur adhésion totale. Ceux qui viendront vers vous avec des informations contradictoires, nous vous demandons de redire votre langue plusieurs fois dans votre bouche avant de parler. La liberté de la presse, elle sera totale. Mais ne confondons pas liberté et libertinage. Le bon ton nous a été enseigné dans ce pays. À telle enseigne que le président Félix Houphouët-Boigny disait, il ne faut même pas dire à quelqu'un qu'il est menteur. Il faut dire que ce sont des contre-vérités. Et j'avais eu, moi, l'honneur, un jour, d'écouter le président, nous étions deux. Il m'a fait une confidence que la décoration qui lui a fait le plus plaisir dans sa carrière politique, c'est la décoration, c'est la médaille de la courtoisie française. Et il nous a enseigné effectivement cette courtoisie à nous Ivoiriens. C'est pourquoi je demanderai, lorsque je m'adresserai aux éléments, aux animateurs des partis politiques, d'entretenir le bon ton. La poubelle journalistique n'est pas digne de notre pays. Quant à vous, chers frères, chers amis qui venez de loin, qui représentez les presses étrangères, je souhaiterais aussi que l'éducation que vous nous avez donnée hier dans vos prestigieuses écoles, que cette même éducation se concrétise par les actes que vous poserez avec nous. La presse est le quatrième pouvoir. C'est dire que vous êtes très important. Nos Ivoiriens, pendant longtemps, ont fait confiance aux presses étrangères, notamment au BBC, TF1, etc. Cette même confiance de la population continue d'être placée en chacun de vous, représentants de vos presses respectives. Mais je souhaiterais
que vous fassiez un effort pour essayer d'éviter des dérapages. Par exemple, les déclarations contradictoires que le président Bédié a entretenues, compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'un monsieur qui demande la partie, qui demande le pardon, ce monsieur-là, ne devrait pas, même si le cellulaire, celui qui en a disposé ici pour nous en distribuer, est là. Il faut éviter de traumatiser la population. Aidez-nous à aider les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, ce que j'ai tenu à vous dire pour que les choses soient claires dans les esprits et que des quiproquos ne puissent pas nous diviser. Nous nous sommes venus pour balayer la maison. Une fois qu'on aura mis de l'ordre, et croyez-moi, je ne suis pas un ambitieux du pouvoir. Sinon, j'ai les mêmes aptitudes que mes frères d'armes de certains pays. Je l'aurais fait en 93. Peut-être même avant que le président Oufou Boigny me faisait l'honneur de me laisser le pays. Mais je vous confie, devant tous les officiers supérieurs aînés, le premier ministre et la Côte d'Ivoire, il allait pour 7 mois, 8 mois. Donc, vous et moi, nous serons témoins de l'histoire lorsque nous aurons mis rapidement l'ordre avec votre concours. Parce que vous serez sollicité pour que certains dérapages que nous avions eu, hélas, à noter, notamment les lois qui étaient confectionnées à la mesure, à la tête du client, ne soient pas APD, loi de la République. Le Comité national de salut public, sa durée, elle vous sera communiquée. Faites-moi confiance. Parce que nous allons essayer de recourir à la compréhension même des animateurs des partis politiques pour essayer de supprimer les lois, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont été confectionnés à mesure. Et puis, mettre en place des textes sûrs, durables, et que ces textes ne soient plus changés par un quelconque président, quelle que soit sa trempe, il va venir trouver des textes, il va laisser des textes pour ceux qui vont le succéder. Si la Côte d'Ivoire doit être un pays de l'éternel recommencement, comme on le dit couramment dans le jargon de rue, ce n'est pas la peine que vous soyez là aujourd'hui, que nous soyons. Donc, on vous demandera les conseils nécessaires pour que les choses soient définitives, comme nos maîtres d'hier, les Français, les Américains, les Anglais, nous en fait. Faites-nous confiance. Le président Bédié, au moment où je vous parle, ils sont en train de négocier. J'avais demandé qu'il parte du pays avant même midi. Mais il n'y a pas un avion qui va quitter la France pour arriver ici avant midi et le prendre. Donc, ils sont actuellement en négociation avec le Quai d'Orsay. Et puis, vous êtes des grands garçons. Vous savez qu'il s'agit d'un homme politique. Vous-même, vous dites que la Côte d'Ivoire, le peuple, voudrait qu'il règle d'abord, qu'il rende compte. Mais un élément comme celui-là, pour l'accepter dans un pays, c'est pas si facile. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Je ne peux pas, moi je ne les connais pas, je ne sais pas. Vous aussi, chacun ne fait que envisager des hypothèses. Mais, Henri Conan Bédié est encore en Côte d'Ivoire, ça je peux vous l'assurer. Hier, j'ai demandé à l'ambassadeur que vraiment, pour la fraternité qui nous lie, nous acceptons que Bédié parte parce qu'il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui. S'il fuit,
Un géant n'écrit pas. Un garçon, il reste en face, il répond aux questions. Mais s'il veut déjà partir par la fenêtre, lui, l'artisan des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais je ne voudrais pas qu'on ait qui que ce soit. Les Ivoiriens répondent notre problème suivant les règles habituelles. Il faut bailler. Certains commettaient des erreurs. Ils faisaient tout pour les pardonner. C'est un pays de tolérance. C'est pourquoi je vous dis à tout le peuple ivoirien, à vous tous, d'être tolérants. Laissons le passer. Ce n'est rien. Les comptes, au fur et à mesure, nous verrons comment vous en rendre. S'agissant des membres du gouvernement, beaucoup de questions m'ont été posées. Il y a certains dont nous avons commencé à garantir déjà la sécurité. Nous allons même les inviter tous, chefs des institutions, à venir volontairement pour que nous puissions garantir la sécurité dans la caserne. Le ministre ennemi du Conseil Mongrais est déjà là. Laurent Donat-Fourouvet est déjà là. Tout Mamadou est là. Écoutez, c'est pour la sécurité, Alain Gauze. Nous garantirons la sécurité de bien d'autres. C'est pour la sécurité. Vous-même, vous dites tout à l'heure, il faut que Bédié reste pour rendre compte au peuple. Mais ce qu'on dit de Bédié, on le dira aussi à chacun des membres de son gouvernement. Comme nous ne voulons pas effusion de sang sur ce sol, c'est pourquoi nous les enlevons, nous les mettons dans les cavernes. En bien sûr, je vous ai déjà dit et je me répète, je n'ai pas préparé un coup d'État. Parce que selon les bonnes règles que vous nous aviez apprises dans vos prestigieuses écoles, pour qu'il y ait coup d'État, il faut même que trois pays, notamment la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, s'entendent. Vous soyez d'accord avec eux pour déjà convenir certains principes. Moi, il n'en était pas question. J'étais dans mon village en train de construire. On m'a appelé. J'ai quitté à minuit moins le quart. Moi-même au volant parce que j'avais envoyé mon chauffeur. Et là, je l'avais envoyé dans un village aller déposer mes parents. J'étais obligé de prendre une voiture, m'analyser, prendre ma route, moi-même en conduisant, tellement les jeunes mutins me demandaient d'être là. Ma femme, au début, a dit non, laissez mon mari, il est au village, nous sommes en train de préparer l'arrivée de nos amis qui doivent être là pour fêter le 31 décembre avec nous. Ils ont même gardé mon épouse en otage pendant tout le temps. C'est pour vous dire que le mot coup d'État me paraît inadapté à la situation actuelle. Les jeunes gens m'ont bien précisé qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Il s'agit pour eux de présenter un certain nombre de doléances à travers lesquelles ils demandent l'amélioration de leurs conditions de vie, la restauration de leur dignité. Ils ont même fait cela en 10 points. J'ai demandé au président Bédié, dès que je suis arrivé du village, il était 9h, de recevoir les jeunes gens. Je vous dis, ils avaient encerclé ma résidence, mon épouse, et ne pouvait pas bouger. J'ai appelé Bédié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Président, les jeunes gens sont là. Il dit, les militaires sont chez vous? J'ai dit, oui, monsieur le président. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, je suis en train de recevoir un groupe. Je dis, je vous envoie l'ensemble. Faites un effort pour accepter le dialogue. Les mêmes démarches que j'ai eues à effectuer tout récemment, les mêmes démarches, j'avais eu à les effectuer en 1993, lorsque le président Foubaï nous avait quittés. Bédié m'avait appelé à 2h du matin. J'ai tout fait pour lui dire d'accepter le dialogue. Mais il est très réticent au dialogue. J'avais été obligé ces jours-là de faire appel à Léon Collin-Kofi, qui était à mes côtés. Le général Tani était là.
C'est Léon qu'on a confié que j'ai envoyé vers le grand chancelier pour lui dire au nom des armées de demander à M. Alassane Ouattara de rendre sa démission. Nous allons organiser les obsèques de Soubaïen demain et lutteront pour le pouvoir. Voilà. Mon sens du dialogue est un virus qui est en moi. Nous avions demandé à Bédier de recevoir les jeunes militaires. Effectivement, il les a reçus. Mais il a affiché un tel mépris que les jeunes gens se sont énervés. Ils ont claqué la porte. Le président de l'Assemblée, le premier ministre, était assis. Le dialogue exige un certain ton. Je ne peux pas dialoguer avec vous en essayant d'orchestrer des écarts de langage. Donc les jeunes gens veulent, ont voulu l'amélioration de leurs conditions de vie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ils ont dit, et ils ont insisté, que la politique ivoirienne actuelle ne respire les bons principes qui faisaient le charme de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les hommes politiques se jetaient dans la poubelle. Vous êtes ici, vous avez été témoin privilégié de bien des cas. Je ne les citerai pas. Donc les gens ont dit que les prisonniers politiques de la MACA sont libérés immédiatement. Oufou Baye a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques dans son pays. Il n'en veut pas. Voilà les raisons qu'ils ont évoquées. Et ils m'ont dit d'être leur porte-parole. Qu'ils me font confiance pour essayer quand même de raisonner qui de droit. Pour qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Et pour que les Ivoiriens retrouvent la paix morale et physique. Vous avez sillonné les quartiers. Vous-même, vous êtes aperçu si ce qui a été fait est mauvais ou bon. C'est pourquoi je vous demande, avant que les corps diplomatiques se fixent devant nous, que vous soyez aussi nos ambassadeurs. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs parce que vous êtes plus rapides dans la diffusion des événements que les ambassadeurs eux-mêmes. J'ai dit que je demandais à tous les représentants de toutes les presses réunies ici de rassurer la population que les activités professionnelles reprendront normalement le lundi comme d'habitude. Nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour leur sécurité. Quand j'ai demandé au général, parce que les mutins, je leur ai dit, allez-y voir l'amiral, allez-y voir vos généraux. Quand j'ai dit cela au président Bédi, il me dit, mais tous mes généraux ont fui. Depuis que je suis là, je n'ai pas eu encore contact physique avec un général. C'est tout à l'heure que l'amiral m'a appelé, il fait mouvement, je lui ai dit d'attendre que je vous reçoive d'abord. C'est le premier général courageux qui vient vers moi. Les autres sont encore en fuite, mais on les aura quoi qu'il en soit, ils sont des Ivoiriens. Il faut qu'ils vous rendent quand même compte. Si Bédi n'a pas pu vous rendre compte, il leur a laissé ses consignes pour vous. Nous avons dissous le gouvernement, mais il faut bien que les boutiques fonctionnent. Jusqu'à nouvel ordre, les directeurs de cabinet doivent être en place. Et même les ministres qui ont appartenu à ce gouvernement qui vient d'être dissous seront tenus de passer les charges à ceux qui vont occuper la fauteuil. Soubaïen nous disait que l'homme passe, mais la nation demeure. L'administration est une continuité. C'est pourquoi nous avons demandé à l'ambassadeur de France qu'il laisse partir Bédier. Les généraux vont peut-être avoir les consignes ou bien le premier ministre d'un camp hier, mais que les autres restent pour passer des consignes à ceux qui vont prendre la relève. Mais les directeurs de cabinet en attendant
sont en place. Ils doivent attendre nos instructions. Vous savez, vous-même, vous nous avez fait l'honneur d'une large diffusion de la mission que Bédié a eu à remplir à l'intérieur au nom de l'Afrique, parlant de la bonne gouvernance. Ces jeunes gens ont reproché au gouvernement un certain nombre de points, et le plus important de ces points, ce sont des comportements prémédités qui ont fait que d'autres sont partis, ont été emprisonnés. Vous-même, vous nous demandez tous les jours d'appliquer la démocratie. Depuis la conférence de la Bonne, tous les chefs d'État africains avaient été chargés d'appliquer la démocratie dans leurs pays respectifs. Certains, comme le nôtre, à l'époque, le président Oufou avait dit que les conditions n'étaient pas réunies. Mais quand ils ont voulu être réticents, nous avons vu ici, le peuple a démontré par A plus B qu'il ne faut pas attendre que les conditions soient toujours réunies, qu'on peut réunir les conditions dans la chaleur de l'action. C'est ce qui s'était passé. Au plan politique, ce que les jeunes gens reprochaient, c'est ce qui a été déjà fait. C'est-à-dire, on veut que la démocratie soit la démocratie, que les partis politiques fassent leur preuve sur le terrain, avec le bon ton, avec le respect justement de l'autrui, en évitant les poubelles. Voilà, tout simplement les détails politiques qu'ils m'ont donné. Sinon, le reste, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Personnel médical et paramédical, que ceux-ci rejoignent leur poste immédiatement. Nous luttons pour la démocratie. Et nous pensons que si le général Robert Gueye dit qu'il prend la situation en main, mais que la démocratie sera respectée, cela, nous ne pouvons que nous réjouir, parce que, comme vous le savez, le PIT a à cœur l'unité nationale et la concertation. Nous estimons donc que tout le monde doit être interpellé et faire en sorte que toutes les forces vives de la nation soient consultées pour essayer d'aller de l'avant au niveau de la démocratisation. Le fait qu'il n'y ait pas de sang versé est une bonne chose. Mais évidemment, les pillages et autres, j'espère que c'est un moment et que ça va bientôt s'arrêter pour que chaque citoyen soit en sécurité, pour que la propriété et les individus soient protégés. Le président du Comité national de salut public, le général Robert Gueye, a annoncé dans ses premières déclarations les missions qui fondent le Comité national de salut public, notamment 1. Assurer la sécurité des biens et des personnes. 2. Restaurer l'autorité de l'État. 3. Créer les conditions nécessaires d'une vraie démocratie en vue de l'organisation d'élections justes et transparentes. 4. Engager de larges consultations et présenter un gouvernement. Le Front populaire ivoirien prend acte de ce changement de pouvoir et des engagements pris par le général Robert Gueye au nom du Comité national de salut public. À ce moment décisif de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien rappelle son option pour la transition pacifique à la démocratie. Dans cet esprit, le président du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, n'a de cesse d'attirer l'attention des dirigeants ivoiriens sur le refus des règles fondamentales de la démocratie, refus pouvant entraîner des dérives aux conséquences imprévisibles. Le Front populaire ivoirien observe avec satisfaction que la prise du pouvoir par le Comité national de salut public s'est déroulée sans effusion de sang. Il est heureux, par ailleurs, que le Comité national de salut public se soit démarqué des pillages et ait décidé d'en sanctionner les auteurs.
il se réjouit enfin la libération des dirigeants militants du Rassemblement des Républicains, RDR. Au stade actuel des événements, le Front populaire ivoirien invite le Comité national de salut public à traduire dans les faits les engagements pris, en particulier le respect des libertés individuelles et collectives et l'instauration d'une véritable démocratie qui passe par la mise en place des conditions d'élection justes et transparentes. Il exhorte le Comité national de salut public à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la tranquillité de la population. À ses militants et sympathisants, le Front populaire ivoirien assure enfin qu'il suit avec une attention particulière l'évolution de la situation et leur demande de rester à l'écoute de la direction du parti. Nous avons demandé à ce que vous soyez ici pour que chacun des grands chefs, des forces de l'ordre ici présents, essaye au nom des éléments dont il est le responsable de rassurer le peuple. De dire que l'armée, contrairement à ce que certains esprits chagrins peuvent penser, l'armée n'a jamais été désunie. Un chef qui ne peut pas compter sur son armée n'est vraiment pas un chef et ne peut pas être un chef. Quand nos chefs militaires, nos grands aînés, nos grands anciens que nous avions connus, quand ils avaient des difficultés, ils approchaient leur chef militaire pour demander des conseils. Lorsque le général de Gaulle, en son temps, était en face d'un problème aigu à solutionner pour le bonheur du peuple français, il s'était rendu en Allemagne pour essayer de frotter sa cervelle contre celle du général Massu. Ce matin, les frères d'armes ici réunis étaient venus individuellement, spontanément et fraternellement se mettre à notre disposition pour le salut de la République, pour le bonheur du peuple ivoirien et surtout pour le prestige de la Côte d'Ivoire entière. Pour ne pas que je sois seul témoin de l'histoire et pour rassurer le peuple, parce que l'armée est l'émanant du peuple, chacun d'eux est à votre disposition pour juste un petit mot au nom de la composante dont il est responsable, dont il est l'animateur principal. Vice-amiral Timothée Lassana, chef d'état-major des armées. Mon général, c'est le nom que je vous ai toujours donné. Je suis devant donc la Côte d'Ivoire. Et je suis ivoirien. C'est la raison pour laquelle je me trouve à cette table parmi mes pères pour leur dire que depuis tout petit, j'ai signé de servir mon pays. Et si mon pays a besoin de moi, je suis là, je suis au Galavou et je sers mon pays. Effectivement, en tant que militaire, j'ai la charge aujourd'hui de conduire les forces armées devant la nation, de conduire les forces armées et la population ivoirienne dans le chemin le plus droit, dans le chemin que je dirais le plus raisonnable.
en tant que chef d'état-major, j'ai eu donc des contacts très directs avec les hommes politiques, avec les officiers qui m'étaient proches pour la sécurité de l'État ivoirien. J'ai eu à appeler mes commandants des forces, mes commandants de région, mes commandants d'unité, pour savoir quelle était la position donc de nos soldats. Et je vous assure que lorsque je me suis rendu compte que les soldats et leur encadrement, les officiers, étaient prêts, sont toujours prêts à aider donc la Côte d'Ivoire dans toutes les situations données, alors vous savez bien que je n'ai pas hésité. Général Kouna Kwame Séverin, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Jamais, quelle que soit la situation, je m'amuserai à donner des ordres à des gendarmes pour abattre leurs frères ivoiriens. Et sur ce point, monsieur le président, vous me faites confiance. Quand il s'agit de sauver cette Côte d'Ivoire qui nous est si chère, la Côte d'Ivoire que nous avons bâtie ensemble, en fournissant le maximum d'efforts, personne d'entre nous n'a le droit de la faire basculer dans la violence. Colonel Kwame Kouna, directeur général des douanes, je voulais remercier Son Excellence le président de la République qui a bien voulu m'accueillir à cette table. Et moi, je suis venu volontairement lui faire allégeance, le remercier pour son courage, le remercier pour avoir sauvé la Côte d'Ivoire. Je voulais faire appel à mes éléments qui sont sur le terrain, les officiers, les sous-officiers, soit à toutes les frontières, de rester calmes, de vaquer à leurs occupations. L'administration, c'est une continuité. On va continuer à accomplir leurs tâches comme d'habitude. Je suis le contrôleur général à Tonengui Ernest, directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire. En ma qualité de directeur général de la police nationale, j'invite mes collègues policiers, tous grades confondus, à se mettre à la disposition de la nouvelle équipe présidée par le général Vieille Robert pour le bien du pays, le bien de la Côte d'Ivoire. Tout s'est passé effectivement sans effusion de sang. C'est ce que l'on veut dans un pays qui veut aller de l'avant. J'invite donc, dis-je, mes collègues à se mettre à la disposition de cette nouvelle équipe pour œuvrer pour le bien de nos citoyens et de nos citoyennes, de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, de souche comme d'option. Dès lundi déjà, tous les policiers rentreront dans la course. Je souhaite que chacun, où qu'il soit, s'arme de courage et que se montre très vertueux dans les actions qui vont arriver. Je souhaite une réussite totale au comité. Messieurs les généraux, Monsieur le directeur général de la douane, chers frères d'armes, tous grades confondus ici réunis, voilà ce qui nous avait paru utile de rendre public pour que le peuple ivoirien sache exactement que les forces de l'ordre sont à sa disposition. Ce
Ce matin, chacun des chefs ici présents s'était fait entourer par ses proches collaborateurs pour venir devant nous, pour se mettre à notre disposition pour le salut de la République et pour le bonheur du peuple. Ceux qui pensent qu'ils peuvent diviser les Ivoiriens, ceux-là se trompent. Nous n'avions jamais voulu que ce pays souffre de quoi que ce soit. Ce qui est arrivé, peut-être c'était une incompréhension. Nous ne rentrons pas dans les détails. Les jeunes gens qui ont pris les responsabilités se sont expliqués largement et suffisamment. Je voudrais qu'avec cette intervention des différents animateurs, des différentes composantes des forces de l'ordre, le peuple soit rassuré, que les diplomates soient rassurés, que nos ambassadeurs, amis, des pays frères et amis présents en Côte d'Ivoire, sache qu'il s'agit d'une action collégiale pour le bonheur du peuple ivoirien et pour le salut de la République. Nous avons déjà eu la haute compréhension de certains de nos amis, notamment français, américains, auxquels j'ai expliqué les détails de ce qui s'est passé. Je crois qu'ils comprendront qu'il n'en est rien de tout cela et que ce qui est dit actuellement dans les coulisses ne sont que des rumeurs. Nous sommes venus, quelle que soit la durée de notre mission, nous sommes venus pour faire au mieux pour que les Ivoiriens qui voudront se dessiner sur les scènes politiques puissent effectivement orchestrer la bonne politique qui puisse être dans l'intérêt supérieur du pays pour le bonheur du peuple et pour le salut de la République. Puisque nous avons demandé que les soldats qui sont armés rejoignent la caserne, puisque nos gendarmes et nos policiers sont en train de faire du bon travail et qu'un groupe de bandits actuellement a été appréhendé, le problème de couvre-feu, nous essayons d'observer cette nuit pour immédiatement donner des instructions assez larges, continuer de patrouiller pour réellement mettre fin aux actes de vandalisme. Il y va de l'honneur de la Côte d'Ivoire. Je souhaite que la Côte d'Ivoire connaisse toujours la paix, l'union de tous ses fils, pour que le pays se développe comme nous l'avons toujours souhaité. Nous ne pouvons que souhaiter la réussite de cette entreprise dans l'intérêt de notre population. Le président Fobaï nous a enseigné la paix. Nous avons toujours vécu dans la paix. Et tout ce que nous cherchons, c'est la paix. Que le nom de la Côte d'Ivoire reste toujours attaché à celui de la paix. Et que la Côte d'Ivoire reste toujours un pays digne. Le monde est tellement de compétition. J'en sais quelque chose. Et ce que je souhaite, c'est que la Côte d'Ivoire puisse être la Côte d'Ivoire. Ça veut dire un pays crédible, un pays avec lequel on compte. Aujourd'hui, ce qui importe par-dessus tout, c'est que la paix règne en Côte d'Ivoire et que le spectre de la guerre soit éloigné de notre beau pays. Le président Oufoué aimait à le dire, la paix, c'est le bien le plus précieux. C'est notre seconde religion. Ceux qui aujourd'hui ont pris le pouvoir l'ont pris pour le bien du pays
et pour le bien-être de tous les Ivoiriens, quelle que soit leur ethnie, leur confession ou leur obédience politique. Le tout, c'est que chacun comprenne que tout ce qui s'opère l'est dans le sens de la Côte d'Ivoire. Et que ceux qui décident aujourd'hui de prendre en main les destinées de ce pays le font, et c'est par rapport à la déclaration que nous avons écoutée aujourd'hui, le font dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et ce que nous pouvons dire, c'est de demander aux uns aux autres, Ivoiriens et Ivoiriennes, que ce pays qui a vécu tant d'années, malgré certaines insuffisances, parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, doit pouvoir continuer son élan de solidarité. Évitons de nous entrer déchirés. En ce moment, on peut dire qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, il y avait la démocratie. Par rapport au dernier discours du président, que le président a tenu, c'est un discours très guerrier. On attendait plus que ça pour découper la situation en Côte d'Ivoire. Mais on s'est rendu compte qu'au lieu d'un discours pour le dialogue, le président a tenu un discours guerrier. Comme si, en Côte d'Ivoire, c'est lui seul qui restait le seul maître. Et c'est pas ça. Un État qui se dit démocratique doit pouvoir donner la parole à tout un peuple. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'actuellement, tout le monde est libre. Chacun se sent à l'aise. Alors, nous comptons sur le nouveau président pour garantir la paix. Je trouve que c'est une très bonne chose, puisque tout le monde serait confiant dans le pays et que la paix règne. C'est notre souhait le plus absolu. Si il nous fait respecter vraiment la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose, parce qu'on ne veut pas la démocratie, franchement dit. C'était un semblant de démocratie qu'on nous faisait croire que c'est la démocratie, alors que c'était faux. Ce n'est pas la démocratie que nous vivons en Côte d'Ivoire. Nous voulons tous un changement. Ce changement doit être vraiment senti par tout le monde, tous les Ivoiriens, toutes les communautés étrangères qui vivent avec nous. Il doit rentrer dans l'histoire comme accepter la paix. Il doit engager le processus démocratique, rendre le pouvoir au civil, et puis je pense qu'il sera grandi. Je suis très heureux de donner un parce que nous avons évité de justesse la guerre. Les militants étant au pouvoir, moi et Jeanne, nous sommes très heureux pour toute la population ivoirienne. Oui, au-delà de ce bonheur, il dit que lui va garantir la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Je suis très d'accord avec lui. Franchement, moi, j'étais franchement heureux de ce que le général était libéré. Très heureux. Parce que nous voulons la liberté dans ce pays. Et cette liberté, je pense que c'est la mienne qui nous l'a portée. Et je crois que c'est une bonne décision. Il essaie de procéder par là pour que la liberté soit établie. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que la démocratie a été confisquée pendant des années. Et si Guéhi est venu et qu'il veut vraiment apporter la vraie démocratie, c'est une bonne chose. C'est ce que nous souhaitons tous. Il faut qu'il y ait une vraie démocratie. Et qu'il faut aussi que les élections soient transparentes, c'est ce que nous voulons. Donc nous le soutenons et nous sommes vraiment très heureux de cela. Pour le moment, je suis un peu sur ma réserve. Je pense que d'ici quelques heures, tout ira au mieux. Parce que je ne crois pas pour le moment à mes yeux. Oui, vous ne croyez pas à quoi? C'est qu'il y a un changement. Je suis un peu dépassé. Je suis content. En un mot, très content, heureux. Oui. Donc, tellement je suis heureux que je suis pour le moment, je suis sur ma fin. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer encore. Oui, mais lui, dans sa déclaration, il dit qu'il est sûr, la démocratie sera garantie. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Je crois quand même à cela. Je crois à la démocratie qui sera garantie. Je pense que le comité de salut, comme ils le disent, fera son mieux pour organiser dans le mois à venir peut-être des élections transparentes et la démocratie ira pour le mieux pour le pays. Je pense que c'est ce qu'il a dit est vrai parce qu'on avait peur quand on entendait le coup de. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de gens qui pensent qu'il est pour la sécurité des Ivoiriens, donc il va garantir la démocratie. Moi, je crois quand même, parce que cette obligation, c'est une famille, ça vient du très fond de l'homme. Et si ce n'est pas ce qu'il pensait, je ne le dirais pas. Du coup, en fait, il y a des gens qui n'ont plus à démontrer un chef d'honneur. Moi, je pense que c'est un monsieur qui a un fort d'honneur à défendre. Beaucoup plus que du matériel à défendre. Il n'a plus rien à rechercher au niveau de l'armée. Le général
Le général est plus beau. Il a des exemples positifs déjà devant lui, l'exemple de Mohamed Sidibé, qui fait qu'il n'a aucune raison de fourligner par la suite. Moi, je dis pour son nom. Je pense que j'en profite pour dire que l'armée a adopté une attitude très patriotique et je l'en remercie beaucoup. Dans d'autres pays, on ne serait pas capable aujourd'hui, peut-être dans un mois, de sortir. Mais aujourd'hui, même pendant l'opération intelligemment menée, on n'a jamais cessé les activités en Côte d'Ivoire. Par contre, il faut remercier l'armée. Et ça, je crois que cette fois-ci, en Afrique, on nous propose aussi une opération intelligemment menée avec beaucoup de stratégies et finesse. Et ça, je remercie l'armée pour ça. Tellement que je suis content, mon père est parti, je ne fais qu'à le remercier. C'est une libération du peuple. Ouais. Un président qui est élu par l'article 11. Et puis un président qui est élu par le peuple, c'est pas la même chose. On le remercie beaucoup. Que Dieu le bénisse. C'est après la rencontre avec les syndicats étudiants, les associations de parents d'élèves et d'étudiants et avec les gestionnaires des cités universitaires que cette visite a été littéralement improvisée à la demande du général président Robert Guéhi, qui a tenu à se faire conduire par les étudiants eux-mêmes afin de montrer du doigt les vrais problèmes des résidences universitaires. Il faut le dire, l'accueil réservé aux chefs de l'État par les étudiants a été très chaleureux. Tenez, pendant qu'une poignée d'étudiants conduisait le chef de l'État dans la visite des chambres de la cité de Cocody, un meeting a été improvisé par les responsables de la FESI, meeting au cours duquel les étudiants ont fait passer quelques-unes de leurs préoccupations du moment, à savoir la réouverture des cités universitaires et la rétrocession aux étudiants de la cité universitaire de Yopougon, actuellement occupée par les policiers. Interrogé par la presse à l'issue de la visite, le chef de l'État, le général Robert Guéhi, a dit qu'il se propose de reloger les étudiants dès lundi prochain. Vous êtes accueilli comme un héros national, vous devez être ému quand même. Je ne suis pas venu pour être héros, je ne suis pas un seulement, je suis venu juste pour m'occuper de bien-être. Vous vous en doutez, l'annonce de cette nouvelle a déclenché un véritable délire parmi les étudiants qui ont ovationné à tout rompre le premier chef de l'État de Côte d'Ivoire qui ait daigné visiter une résidence universitaire, non sous la conduite des officiels, mais sous la conduite des étudiants, ceux-là même qui vivent dans ces cités universitaires. Le président est spectateur. Je suis venu constater l'état de leur résidence. On peut l'affirmer sans risque de se tromper. Entre le chef de l'État, le général Robert Guéhi et les étudiants, le courant est vraiment passé. Chers compatriotes, en fin de matinée, M. Henri Konan-Bédié et son épouse ont quitté le territoire national. Ce départ a été négocié par nos amis français. Tout un chacun sait que les trois quarts des cadres intellectuels de Côte d'Ivoire ont été formés par la France, ce grand pays à qui nous devons notre culture, dont nous avons retenu la langue comme notre langue officielle.
J'ai accepté volontiers, vous faisant confiance à tous, les propositions qui m'ont été faites par Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, pour garantir l'excellence des relations qui existent entre nos deux pays. Je voudrais demander à chacun et à chacune d'entre vous d'être compréhensif. Je sais que beaucoup m'avaient harcelé et voulaient coûte que coûte que je livre M. Bédier au peuple ivoirien. Ne perdons pas de vue les nobles qualités de tolérance, de pardon que le président Houphouët-Boigny avait dicté à chacun de nous. Il faut savoir pardonner. Certes, certains actes négatifs ont été posés par Henri Konabédié et son gouvernement. Pour l'instant, il n'est pas de mon devoir d'avancer des jugements de valeur parce que nous n'avons pas encore fait l'audit. Nous ferons le point de la situation. Nous rendons compte au peuple et nous essaierons en ce moment-là seulement de faire ce que vous nous demanderez de faire. Pour l'heure, il était bon que les passions prennent fin, que les règlements de compte ne puissent pas avoir leur place sur ce sol. Nous voulons éviter la chasse aux sorcières. Nous voulons que les Ivoiriens vivent en paix, dans l'union et dans la fraternité africaine. Merci. Monrovia, Accra, Ouagadougou. Capitale après capitale, le président Robert Guéï continue d'étendre sa toile de contact avec ses pairs de la sous-région. Objectif, renforcer et intensifier les relations de bon voisinage et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays amis. Ici, au Togo, c'est un aîné, un frère, le général Niasimbe Adema, que le général Robert Guéï est venu visiter pour échanger sur les relations entre le Togo et la Côte d'Ivoire au regard des changements survenus depuis le 24 décembre 1999 en Côte d'Ivoire. Thank you.
Aujourd'hui, c'est du peuple ivoirien qu'il s'agit. L'époque, c'est celle que nous vivons. La meilleure constitution pour nous sera celle dans laquelle tous les Ivoiriens se retrouveront, parce qu'elle sera faite par eux et pour eux. Mesdames et messieurs les commissaires, vous représentez la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Réfléchissez et proposez-nous une telle constitution. La seconde tâche de votre commission sera l'élaboration du code électoral et la proposition de mesures propres à faciliter à bref délai l'organisation d'élections transparentes. Au nombre de ces mesures figurent notamment celles concernant la délivrance de la carte nationale d'identité, le recensement et l'établissement des listes électorales, le découpage électoral. Nous attendons sur ces différentes questions vos recommandations et vos suggestions. Vous avez pu noter qu'une sous-commission a été spécialement chargée d'étudier les questions touchant au statut de l'opposition, au statut des anciens présidents de la République, à l'éthique et à la moralisation de la vie publique. D'aucuns pourraient s'étonner du choix de ces thèmes. Il m'a semblé qu'il était bon qu'une commission comme la vôtre, largement représentative, puisse définir les règles d'un statut de l'opposition avant même de savoir quel parti sera dans l'opposition
plutôt que de laisser le soin au gouvernement sorti vainqueur des élections, d'octroyer un statut aux partis qui se retrouveraient dans l'opposition. L'objectif à rechercher, à mon avis, dans l'élaboration d'un tel statut, sera de définir les conditions de protection de la minorité politique et de garantir sa participation à l'action politique en tant que contrepoids du pouvoir. Car la démocratie n'est-elle pas, après tout, le respect du droit de la minorité? Honorables membres de la Commission consultative constitutionnelle et électorale, en ce qui concerne la moralisation de la vie publique, elle était déjà une des grandes préoccupations de la fin du siècle dernier. Elle continuera d'être une des exigences de ce début de siècle dans la vie des États et dans les rapports de ceux-ci avec les organisations d'aide au développement. Sachez que la Côte d'Ivoire ne doit pas figurer sur la liste des pays qui ne pratiquent pas la bonne gouvernance et dans lesquels le degré de corruption est élevé. Voici, mesdames et messieurs, ce que j'avais à cœur de vous dire à propos de votre mission. La totalité ou presque des 175 ex-parlementaires de la 9e législature dissoute ont pris d'assaut le palais présidentiel pour honorer l'audience que le chef de l'État, le président Robert Guéï, a accepté de leur accorder. Le président Robert Guéï, les membres du CNSP et du gouvernement ont écouté avec attention l'allocution du porte-parole des ex-députés, M. Akrabla Deni, qui estime être victime de préjudices matériels causés par la dissolution de l'Assemblée nationale. La décision de dissolution de l'Assemblée nationale a eu un effet perturbateur sur la vie du député de la 9e législature. D'autant plus que l'élection à l'Assemblée nationale, du fait de l'application de plusieurs incompatibilités professionnelles, contraint les députés à se limiter principalement à leurs obligations parlementaires. C'est pourquoi, Monsieur le Président, les députés de la 9e législature souhaitent la régularisation de leur situation, induisant à la fois la prise en compte de leur pension de retraite, de leurs indemnités et des engagements contractés et rattachés à l'exercice de la fonction de député. Après cette revendication salariale, les ex-députés, par la voix de M. Akrabla Deni, relèvent que des foyers de tension existent encore dans le processus électoral, que des signes de fracture sociale mettant en péril la nation demeurent, que la transition est marquée par l'insécurité, autant de problèmes que les ex-parlementaires souhaitent que le CNSP apporte des solutions dans le meilleur délai. Le chef de l'État, le président Robert Guéï, sans détour, a répondu aux préoccupations des ex-parlementaires. Considérant vos préoccupations essentielles, je voudrais vous assurer que vos droits, tels que définis par la loi, seront préservés. Cependant, je tiens à vous rappeler que vous n'avez pas que des devoirs, mais que vous avez également des obligations. Le Comité national de salut public, convaincu que vous ne jouez pas votre rôle au sein du Parlement, a pris ses responsabilités en prononçant la dissolution de cette institution. En effet, en qualité d'élu du peuple, vous avez des devoirs envers celui-ci. L'un de vos devoirs essentiels est de guider, orienter
voir canaliser les décisions des gouvernants en faveur de la paix sociale. Le président de la République, sur un ton amer, a indiqué que la 9e législature dissoute a failli à sa mission. Il a affirmé que les comportements incorrects des ex-députés ont créé la situation que nous connaissons. Ils n'ont pas eu le comportement républicain qu'ils auraient dû adopter dès qu'ils ont été mandatés par le peuple. Votre comportement au sein de l'Assemblée nationale nous a paru décevant. En effet, n'est-ce pas vous qui avez voté ces lois dont l'application a embrasé le pays en décembre dernier? N'est-ce pas vous qui receviez ces enveloppes pour vous amener à voter des lois sur mesure? Par ce comportement, ce n'est pas le CNSP qui a trahi le peuple. C'est vous qui avez trahi le peuple. Le 24 décembre, à la faveur de la libération des prisonniers politiques, des bandits en ont profité, certes. Aujourd'hui, la criminalité vous préoccupe. Mais n'est-ce pas vous qui avez permis ce scénario politique? Vous avez semé le vent. Il fallait vous attendre à récolter la tempête. À propos de l'insécurité, le président de la République a réaffirmé la détermination du CNSP et du gouvernement à réduire à néant le banditisme. Déjà, les résultats obtenus en 3 mois sont plus que probants. Une soixantaine de bandits abattus, 90% des voitures volées retrouvées, etc. Les problèmes sociaux sont pris à bras le corps par le CNSP et le gouvernement pour y apporter les meilleures solutions. Cette audience du chef de l'État aux membres de la 9e législature dissoute le 24 décembre 1999 a été une occasion de clarification et de vérité. Les ex-députés sont repartis en méditant certainement sur le propos du président Robert Guéhi qui leur a fait comprendre leur part de responsabilité. Thank you.